Shalom, shalom, bonjour à tous. Alors que les personnes vont commencer à se connecter, nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue dans le nom de Jésus. Et avant de pouvoir entendre l'homme de Dieu qui va nous annoncer la parole ce soir, nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Là où tu es, commence à bénir l'Éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons t'exalter, te glorifier. Tu es Dieu. Et tu règnes à tout jamais. Nous voulons te bénir et te célébrer. Une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soif du Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupira après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soif du Dieu vivant. Je pourrais boire à tes eaux vives, être changé par toi, oh, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Comme une biche, soupire après des courants d'eau, mon âme soupira après toi. Oh, comme une biche, soupire après des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Je pourrais boire à tes eaux vives, être changé par toi, et m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Nous voulons ta présence, nous voulons ta présence, nous voulons ta présence. Oh, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Au milieu de nous, nous voulons que ton onction descende sur nous. Nous voulons l'ivresse qui détruit ce qui nous blesse. Le royaume de Dieu, nous te voulons, oh Dieu. Ensemble, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Alors que tu viens de te connecter, commence à invoquer le Saint-Esprit.
commence à invoquer la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, commence à venir et à descendre sur ta vie. Esprit de Dieu, nous voulons invoquer ta présence. Nous voulons adorer ta présence. Nous voulons que ton onction descende sur nous. Nous voulons que ta grâce puisse se renouveler encore ce soir. Oh, commence, commence, commence. L'Esprit de Dieu est là. Robo sacara sintorio corabasai. Le Saint-Esprit est là. L'onction de Dieu est en train de se répandre pour guérir ceux qui sont malades. Pour libérer les affligés, la puissance du Saint-Esprit est en train de se répandre. Oh, j'ai besoin de toi. Je m'appuie. J'ai besoin de toi. Je m'appuie sur toi. Alléluia, Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu, la gloire de Dieu est là. La présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins sont libérés maintenant pour te faire entrer dans un temps de gloire, pour te faire entrer dans un temps de puissance. Alléluia. Alléluia, oh, alléluia, mon Dieu est vivant. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, mon Dieu est vivant. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, mon Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia, alléluia, mon Dieu est vivant. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, mon Dieu est vivant. Alléluia, chante, alléluia, comment ne vous pas dire alléluia, mon Dieu est vivant. Oh, commence, exalte l'Éternel. Le psalmiste David dira, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours sous mes lèvres. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, sa louange sera toujours sous mes lèvres. D'éternité en éternité. Alléluia. Amen.
Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur pour sa présence. Acclame-le. Amen. Alors nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa présence. Alors ce soir, nous faisons un petit temps de louange pour vraiment aussi laisser toute la place à la parole de Dieu. Alors avant que l'orateur de ce soir puisse montrer son visage, alors je vais vous donner encore juste les informations de cette semaine. Alors demain, nous aurons à partir de entre 18h45 et 19h, nous aurons le docteur de la loi Sylvain Joly du Québec qui sera avec nous. Ensuite, du 23 au 27, nous n'aurons pas de réunion. Nous n'aurons pas de réunion vu qu'on a fait beaucoup de réunions ces temps-ci. Même le matin, je vous demanderai de pouvoir prendre les prières que nous avons faites. Nous avons plus de 70 prières, 70 vidéos de prières dont je laisserai le lien sur le groupe WhatsApp. Et ensuite, après, pendant la prédication, je donnerai aussi sur le chat le lien des 70 prières. Vous avez les titres. Donc, le matin, si vous levez à 5h, c'est très bien. Vous avez un bon rythme, un bon engagement. Donc, prenez une des prières avec un des titres qu'il y a et passez un temps dans la prière. C'est comme si je le ferais avec vous. Seulement, vous pourrez le faire cette fois-ci tout seul. Donc, nous reprendrons la prière le matin à 5h à partir du lundi 28 décembre. Ça permettra aussi un petit peu de me reposer. Et le dimanche 27 décembre, nous n'aurons pas la prière le matin à 5h, mais par contre, nous aurons notre culte à partir de 9h30 en direct. Et nous aurons la pasteur Sorel Marais qui sera avec nous en direct. Amen. Et elle aura aussi un message vraiment important de la part du Seigneur. J'interviendrai aussi sur le plateau de Victoire Live samedi soir à partir de 21h45. Donc je donnerai aussi après le lien sur le chat, le lien sur le groupe WhatsApp. J'interviendrai à partir de 21h45 sur le plateau télé de Victoire Live pour un message dont le thème sera le tribunal de la nuit. Donc vous pourrez me suivre en direct, tous ceux qui le veulent. En plus, je prêche le soir sur le tribunal de la nuit. Ça sera super. Amen. Donc, sans plus attendre, je vais demander à l'orateur de ce soir de pouvoir allumer sa caméra, de pouvoir allumer son micro, afin que vous puissiez ce soir encore le découvrir. Là, nous attendons qu'il va allumer son micro, qu'il va allumer sa caméra. Mon frère Alain Nikes, Amezan, prophète. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, shalom. Alors, c'est pour moi un immense honneur de l'avoir avec nous ce soir. Vraiment, je vous encouragerai à partager sur vos réseaux sociaux, partager sur Instagram, partager sur Facebook, partager sur tous les réseaux que vous avez. Je crois que vraiment, nous allons être bénis de manière puissante ce soir. Je crois vraiment que le Seigneur a donné un message puissant sur l'onction à son serviteur ce soir. Alors, on se connaît pas depuis très longtemps, mais on a intervenu sur les mêmes plateaux télé et ensuite on a pu commencer à faire connaissance. Alors que son épouse, je l'avais connue il y a quelques années et je ne savais même pas que c'était son épouse et Dieu a fait qu'on puisse se rencontrer. Mais je crois que vraiment il a un grand message de la part de Dieu. Alors je vais te laisser te présenter avec ainsi que le ministère que tu as, les choses que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Je te laisse vraiment te présenter. Aie toute la place. Moi je vais m'effacer et qu'on puisse entendre le message de l'Éternel que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Effectivement, je suis le prophète Amezan Nikes. Je suis marié à la prophétesse Deborah MLD Amezan. Nous sommes ensemble présidents des missions Alliance du Chandelier d'Or. La mission Alliance du Chandelier d'Or existe depuis près de 12 ans. Elle est née essentiellement d'une vision que Dieu m'a donnée en Côte d'Ivoire. Et j'ai finalement rencontré mon épouse ici en France. Elle dirigeait l'église Blessing Church. Voilà. Et nous nous sommes mis ensemble. Nos visions se sont mises ensemble. Ça n'a pas été évident, n'est-ce pas, que de voir
le leadership vraiment se rencontrer comme ça. Mais Dieu soit béni pour sa vie, pour son humilité, pour la capacité qu'elle a réellement à comprendre les desseins de Dieu. Voilà. Et elle a accepté de se soumettre à la vision que Dieu nous a donnée. Nous avons fait en sorte que ce soit une vision globale. Donc, à Abidjan, nous avons 6 églises. Nous avons une en Allemagne et puis celle de Paris. Donc, ça nous fait 8 églises, en grosso modo, aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous gérons approximativement près de 23 pasteurs à Abidjan et puis quelques-uns ici aussi. Voilà. Donc, nous pouvons nous retrouver autour de peut-être 32 pasteurs sous nous. Et nous sommes très heureux de voir la main de Dieu continuer de travailler comme ça autour de la vision. Je suis aussi responsable d'une école prophétique, une école de ministère, qui est l'école des Élis. Voilà, qui est basée ici en France. Et grâce à Dieu, cette année, nous avons beaucoup d'étudiants et ce qui a permis qu'on croise David d'ailleurs, de Victoire Live, et puis qu'on ait ensemble un partenariat et que je commence des émissions avec eux. Donc, l'école d'Élis existe depuis c'est venu d'une nécessité que Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir aider les pasteurs dans leur leadership. Voilà, en tant que fondateur d'église, j'ai vu beaucoup de choses dans mes églises. J'ai vu des hauts et des bas. J'ai vu les fidèles partir, venir. J'ai consacré des pasteurs. Je me suis dit, il était important d'équiper. Et puis, l'Europe a besoin de comprendre le prophétique. Voilà, de comprendre c'est quoi en réalité le prophétique. Et le peu que nous avons dans ce temps de ministère que Dieu nous a donné, ben, nous mettons cela au service des uns et des autres. Voilà, et voilà un peu, en grosso modo, ce que nous faisons. Nous sommes même en train d'organiser un voyage sur Israël. Nous espérons déjà vers février que les frontières seront ouvertes, février-mars, parce que le début avril du 3 au 11, nous serons en Israël pour un moment exceptionnel, une grande retraite spirituelle que nous organisons pour les appelés de Dieu, voilà, pour tisser alliance, pour découvrir Israël, pour toucher de près le contexte historique, contexte spirituel, des choses de Jésus-Christ de Nazareth, ça serait un grand cheminement. Alléluia. Donc, voilà un peu, homme de Dieu, en grosso modo, ce que nous faisons. Voilà, je suis papa. Tout dernièrement, j'ai eu la grâce d'avoir des jumeaux qui ont 7 mois aujourd'hui, Eden et Uriel. Et voilà, ma vie, elle est remplie de témoignages. Et nous découvrons cela ensemble tout à l'heure, pendant que je serai en train d'enseigner. Donc, que Dieu nous bénisse. Et puis, j'espère que les uns et les autres pourront se connecter et qu'un connecté puisse connecter quelqu'un d'autre parce que la grâce doit être partagée. Voilà. Je veux dire merci aussi à l'homme de Dieu. Voilà, comme lui-même, il nous a présenté. Moi aussi, c'était une conviction de Dieu parce que force est de constater que peut-être lui-même, il a remarqué, je sors très peu du cadre de mon ministère ici en France. Voilà, j'y vais très peu collaborer. C'est pas parce que les gens sont méchants ou mauvais, ça n'a rien à voir. Souvent, nous, on dit, ouais, les chrétiens sont comme ça. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est une volonté personnelle de me concentrer sur l'église, le temps de bien la bâtir, de lui donner un bon fondement. J'ai voulu travailler en interne sur la maison, mais quand il m'a partagé, quand je l'ai découvert, j'ai vu cette soif. J'ai découvert en lui quelqu'un. Voilà, j'ai vu en le prophète et son épouse, des personnes qui avaient soif vraiment de faire ces choses qui touchent Dieu. Et ça m'a plu. J'aime les gens qui sont assoiffés de Dieu et j'aime son amour pour Dieu, son zèle. Le peu qu'il a, le peu qu'il est, il partage ça avec les autres pour leur bénédiction. Et c'est une grande, grande gloire pour moi de partager ce moment avec vous. C'est un honneur. Donc, homme de Dieu, vraiment, merci beaucoup pour la considération. Voilà, c'est un privilège de me laisser parler aux uns aux autres sur ta plateforme et j'en suis sûr reconnaissant à Dieu pour ta vie. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Alors avant que l'homme de Dieu puisse intervenir, je vous demanderai qu'on puisse prier un instant. Yes. Puisse Donc, prier, puisse préparer votre cœur. Vous je savez que la parole de Dieu soit reçue suis dans une terre qui est prête à Donc, recevoir. Pas que le semeur puisse venir semer et que sa semence est donnée dans des terres qui ne sont pas prêtes, mais qu'un cœur soit prêt et qu'un cœur produise du fruit. Prions ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ton serviteur. Seigneur, nous te demandons que c'est toi qui le oignes. Seigneur, que c'est toi qui lui donne encore les paroles de feu, les paroles de miel, les paroles de grâce dans son cœur. Merci, Seigneur, pour la grâce qu'il est.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour le cœur de père que tu lui as donné. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore en cette journée, nous voulons déclarer qu'il va déverser des paroles qui viennent direct du trône du père. Et cela va guérir des fils et des filles. Cela va impacter des fils et des filles. Cela va lever des hommes et des femmes qui étaient découragés, désespérés, frustrés, tiraillés à cause des attaques des ténèbres, va les rendre fermes et va les rendre solides. Le feu va commencer à se libérer et la gloire va commencer à impacter. Seigneur, je prie pour sa vie, je prie pour son ministère, je prie pour ses enfants, je prie pour tout ce que tu lui as donné. Merci Seigneur de te souvenir de son service ce soir et de le bénir au centuple, de le bénir au centuple. Et nous voulons recevoir la parole fraîche qui vient du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse vision. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Et je suis convaincu que, voilà, personne ne repartira comme il est venu sur ce live. C'est impossible. Voilà, vous ne pourrez pas partir comme vous êtes venu. Dieu est sur le point de manifester quelque chose de particulier dans votre destinée, dans vos vies. Il est sur le point de changer l'atmosphère autour de vous. L'atmosphère. Et ce qui va être surprenant, c'est que, à la fin, tu regretteras de ne pas avoir invité un frère ou une sœur. Tu vas être triste, tu vas dire, mais ah, si je savais, j'allais l'inviter. Si je savais, j'allais le faire. Et il sera trop tard. C'est pourquoi je veux t'encourager dès maintenant à pouvoir partager, n'est-ce pas, cette vidéo à quelqu'un. Invite un frère qui a soif de réveil, qui a soif d'une touche de l'esprit, qui a soif de la présence de l'esprit, qui a soif d'une connexion divine, qui a soif vraiment d'une restauration, qui a soif de comprendre c'est quoi l'onction. Vous savez, le Saint-Esprit se dit en grec pneuma, et ça veut dire souffle. Donc, en réalité, quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'un souffle. Vous voyez dans Genèse, la Bible dit, dans Genèse 1, chapitre 2, je parle dans Genèse 1, verset 2, qu'au commencement, il y avait l'abîme, et au-dessus des eaux se mouvait l'Esprit de Dieu. Donc, il y avait l'abîme, et juste à côté, il y avait l'Esprit de Dieu. Il faut être convaincu que dans ce monde d'aujourd'hui, les ténèbres cohabiteront toujours avec la lumière. Mais la différence entre nous et les ténèbres, c'est la grâce et la présence de Dieu sur nous. C'est son souffle. Donc, pneuma, c'est le Saint-Esprit, c'est son souffle. Jean chapitre 20, verset 22 dit que Jésus apparut au milieu de ses disciples. Et quand il a fait, il a dit, shalom à vous, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Et il a dit encore, il dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma prière pour toi, c'est que tu reçoives l'Esprit. Aujourd'hui, ma prière pour toi, c'est que tu reçoives l'Esprit. C'est vrai, nous disons que c'est à Actes chapitre 2, verset 1, qu'est descendu le Saint-Esprit. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le souffle divin n'est pas apparu en Actes chapitre 2. Il a commencé en Jean chapitre 20, le verset 22. C'est là que l'Esprit de Dieu a permis que Jésus souffle sur eux. Et il dit, recevez l'Esprit. Sauf que ça ne s'est pas manifesté physiquement tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu avant de donner mon verset de base? Je veux lui dire que souvent l'Esprit de Dieu peut être sur toi, mais il y a un temps pour lequel il doit se manifester. Il y a un but pour lequel il vient, mais il y a un temps où il se manifeste. Il y a un temps où Dieu souffle sur toi et il y a un temps où tu reçois. La grâce de Dieu est palpable et manifeste pour toi aujourd'hui. Parce que le souffle divin de Dieu te contamine. Le vent du Saint-Esprit souffle sur toi. Il a même dit à Nicodème, il dit, dans Jean chapitre 3, il dit, un homme doit naître d'eau et d'esprit. S'il n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter du royaume. Alléluia. Et il dit aussi que le vent souffle, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Quelqu'un qui naît d'esprit, il sera difficile que ses parents le comprennent, que ses amis le comprennent. Parce que l'esprit va te donner la nature de l'esprit. Ceux qui sont charnels ne pourront pas comprendre.
Bien-aimé, quelqu'un qui est en train de partager maintenant cette vidéo est en train d'être béni par la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est en train d'être partagé, qui est en train de partager et recevoir cette vidéo est en train d'être béni par le souffle de Dieu. Dieu n'est pas limité par le temps et les connexions. Je dis chez toi à la maison, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu entreprends, la grâce de Dieu va te localiser. Et pendant que je suis sur ce live, je reçois déjà un prénom qui doit vivre la visitation de Dieu. Ce prénom-là, c'est le prénom de Sylvie. Sylvie. Si Sylvie est là, qu'elle est sur ce live, amen, je prie qu'elle comprenne que Dieu veut la visiter. Voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer de me connecter en même temps sur ma tablette, sur YouTube ou sur mon autre téléphone pour aussi voir. Je pense que là-bas, il doit y avoir des chats et tout. Peut-être il y a des trucs. Je veux parler à Sylvie. Sylvie est une servante de Dieu. Elle a un don prophétique. Dieu veut lui parler dans ses songes. Attends, je vais sur mon téléphone pour voir. Je Oui, me il y a un suis chat, mis. hein. Il y a un chat sur le YouTube. Ok. Donc, voilà. Waouh. Ok. Donc, si la sœur Sylvie est connectée, elle peut donner un bon amen. Pendant que je lui parle, l'Esprit de Dieu me dit, voilà, je suis connecté aussi. Je suis connecté aussi maintenant. Voilà, Sylvie. Ton prénom est sorti dans mon esprit, Sylvie. L'Esprit de Dieu me dit que tu as un don prophétique. Il veut te parler dans tes songes, dans tes visions. Il veut te parler dans l'intercession. Et tu es l'intercesseur de ta famille. Et le Saint-Esprit t'a rencontré. Des gens ne peuvent pas forcément comprendre ta relation avec Dieu. D'autres peut-être même vont te juger. Ils vont vouloir te persécuter. Ils vont dire, mais est-ce que tu penses que Dieu est réel? Sylvie, ils vont dire, est-ce que tu penses que Dieu est réel? Alléluia. J'ai vu Sylvie Mansi qui a dit Amen. OK. Si elle vit ces choses, que Dieu la fortifie. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui ne vont pas comprendre ta consécration à Dieu. Ils vont dire, mais est-ce que tu es sûr que Jésus est réel? En fait, ils vont te juger. Tu vois, ils sont athées. D'autres sont dans une certaine apostasie. Ils ne vont pas comprendre ton zèle. Mais Sylvie, Dieu t'a oint. Sylvie, Dieu a sa main sur toi. Sylvie, Dieu veut t'utiliser. Tu as un don de guérison aussi. Dieu dit, va t'utiliser. L'Esprit de Dieu me dit, va t'utiliser. Pour guérir les malades. Pour guérir les malades. Il va t'utiliser. Au travers de toi, quand tu vas intercéder, tu vas prier, tu vas imposer les mains à des gens seront guéris. Et comme Sylvie, il y a d'autres personnes qui sont sur ce live, qui ont des songes, qui ont des visions. L'Esprit de Dieu n'est pas un Dieu mort. L'Esprit de Dieu n'est pas un Dieu mort. Souvent, les gens disent que l'Esprit de Dieu, en fait, c'est la troisième personne de la Trinité. Ils disent que l'Esprit de Dieu, c'est une entité, la puissance de Dieu. Non, non, non. Que les gens ne vous trompent pas. L'Esprit de Dieu n'est pas la troisième personne de la Trinité. La Trinité, c'est vrai, peut exister. On peut définir Dieu en termes de Trinité, mais Dieu est trois entités en une seule. C'est comme l'homme est corps, âme et esprit. Dieu est Fils, il est Père, il est Saint-Esprit. La chair, c'est le Fils. L'âme, c'est le Père, c'est le centre des intelligences, c'est le centre des idées. Et l'Esprit, c'est l'essence, c'est ce qui le fait vivre. Donc, l'Esprit de Dieu a des sentiments. L'Esprit de Dieu a des émotions. L'Esprit de Dieu ressent les choses. L'Esprit de Dieu n'est pas juste une puissance. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas l'Esprit. Si l'Esprit ne peut être attristé, c'est que ce n'est pas juste une puissance. Voyez, une puissance n'a pas de sentiment. Une puissance, c'est comme l'instrument d'une action. Comme si on mettait pression. Voilà, ce qu'on utilise pour une puissance contraignante n'a pas de sentiment. L'Esprit de Dieu est puissance, mais en même temps, c'est la personne divine. C'est la personne spirituelle. C'est l'essence de vie de Dieu. C'est pourquoi la pneumatologie est la science qui étudie le Saint-Esprit. Et il va au-delà de la simple puissance qu'il manifeste. Oui, l'Esprit de Dieu vous donnera le fruit de l'Esprit, selon Galates 5, verset 22, qui parle qui parle de tout ce qui est le fruit de l'Esprit, la tempérance, la douceur. Il a des émotions, il ressent les choses. S'il te plaît, écoute-moi ce soir. Tu as besoin de l'Esprit. Et ce que l'Esprit nous donne, c'est la puissance pour opérer dans le surnaturel. Et c'est là où je veux venir. Dans la puissance pour opérer dans le surnaturel, vous avez une catégorie de grâce. Cette grâce-là, c'est l'onction. L'onction, comment je peux la définir? Écoutez-moi très bien. Et ceux qui commentent, parce que je vois les chats maintenant, ceux qui commentent peuvent écrire avec moi. L'onction est la capacité surnaturelle de Dieu pour accomplir ce à quoi il nous a appelés. Beaucoup de chrétiens, hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs même ont enseigné que l'onction était juste l'huile qui coule sur nous. C'est vrai,
Mais l'onction va au-delà de ça. Allons en profondeur et comprenons ensemble l'onction. L'onction. L'onction est la capacité qui nous vient du Saint-Esprit, du souffle de Dieu, pour accomplir ce à quoi il nous a appelés. Je répète, l'onction est la capacité surnaturelle de Dieu pour accomplir ce à quoi il nous a appelés. De telle manière que Abraham avait une onction. De quel type vous allez me dire? Oui, il avait une capacité pour que malgré qu'il soit vieux, il puisse donner encore naissance à un enfant par Sarah. Vous êtes d'accord avec moi que Sarah était à 79 ans, ménopausée, posée et même stabilisée dans sa ménopause. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais l'onction, la capacité surnaturelle de Dieu, nous comprenons plus tard, lui a donné la force de devenir mère. Continuons encore. L'onction est venue sur la vie d'un homme comme Samson. Samson avait l'onction et cette onction lui conférait la force physique pour battre les Philistins. La Bible va nous dire même dans le livre de Juges que Samson, même qu'on va lui couper les cheveux qu'ils vont repousser, il va détruire en un seul jour tous les princes des Philistins. Je suis convaincu que quelqu'un a l'onction, mais ne sait pas encore le déployer. L'onction dans ta vie est encore comme, est sous forme de potentiel. C'est sous forme de potentiel. Mais ce n'est pas encore sous forme de puissance ou de capacité. Ce n'est pas encore sous forme réellement de manifestation. Je suis convaincu que tu m'entends. Je suis convaincu que tu comprends ces choses. Mais aujourd'hui, si c'est une chaîne YouTube, tu dois comprendre que l'Esprit de Dieu n'est pas limité, c'est un souffle. Jésus, après la résurrection, a apparu dans la maison où les apôtres étaient. Alors, je veux prophétiser que pendant que tu m'entends, l'Esprit de Dieu apparaisse dans ta maison. Oui, il apparaît dans ta maison. Il apparaît au milieu de ta maison. Il apparaît au milieu de tes frères, de tes sœurs, si tu en as. Il apparaît avec toi sur tes enfants. Il apparaît autour de vous. Il commence à manifester sa grâce et sa puissance. Il commence à manifester son règne. L'onction est en train de toucher quelqu'un qui m'entend, qui a besoin d'un souffle nouveau, qui a besoin d'une onction nouvelle, qui a besoin d'une restauration. L'onction est en train de toucher quelqu'un qui a appelé à manifester le don de prophétie, le don de guérison, qui a appelé à manifester le règne de Dieu. L'onction est en train de te caractériser. Le Saint-Esprit apparaît pour souffler sur toi. Tu sais, si Dieu ne te oint pas, tu ne peux pas accomplir de grandes œuvres. On continue après Samson. Parce que si Samson n'avait pas l'onction sur sa vie, il ne pouvait pas accomplir ce qu'il a accompli en tuant les Philistins. Quand nous allons plus loin, nous nous rendons compte que David a accompli de grandes œuvres par l'onction. N'est-ce pas que les femmes de Jérusalem chantaient « Il a tué 10 000, Saül a tué 1 000 ». Et la jalousie de Saül anima son cœur. Qu'est-ce que je veux dire en continuant? Quand vous avez l'onction, la jalousie va s'animer autour de vous. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que l'onction attire. Elle attire la gloire. Elle attire la richesse, mais aussi elle attire l'ennemi. C'est comme une lumière qui brille et que le diable ne supporte pas. Il y a des personnes qui sont attirées par l'onction et il y a des personnes négatives aussi qui sont attirées par l'onction. Il y a des personnes qui viennent pour que l'onction les bénisse et il y a d'autres qui viendront aussi pour détruire l'onction que vous avez. C'est dans ce cadre-là que les démons viendront contre vous. La sirène des eaux, l'esprit de mort, les programmations de l'ennemi pour vous détruire, pour vous tuer, les programmations pour vous emmener à l'échec, pour vous emmener à un perpétuel recommencement viendront sur vos vies parce que le diable veut effectivement, n'est-ce pas, vous arrêter, vous limiter. Mais ma prière ce soir, c'est que l'Esprit de Dieu sur ta vie commence à te protéger, te barricader, te sécuriser. C'est pourquoi nous lisons ensemble et nous allons comprendre maintenant 3 choses importantes dans l'onction. Je t'ai défini l'onction, je t'ai dit c'est une capacité surnaturelle. Elle nous vient du souffle de Dieu pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés. C'est une capacité. Voilà. Abraham n'a jamais prophétisé comme, n'est-ce pas, Esaïe a prophétisé. Mais il est devenu prospère, très riche. Donc chacun a son type d'onction. Je vais même vous choquer. Dans Genèse 28, la Bible dit que quand Jacob se lève le matin et qu'il voit que cet endroit avait, n'est-ce pas, des échelles qui montaient et descendaient, il appelle cet endroit-là Bethel. On est d'accord. Et la Bible dit même l'endroit s'appelait Luz,
mais il a pris de l'huile d'olive et de l'huile d'onction, il a oint l'endroit et l'endroit est devenu Bethel. Mais quand on lit bien, quand on s'arrête sur ce passage, on se rend compte que donc l'huile d'olive là, ça n'a pas apparu au Nouveau Testament. L'huile d'olive n'a pas apparu dans le Nouveau Testament. Ça n'a pas apparu comme Moïse a voulu oindre les ustensiles du temple. Jacob avait déjà la révélation de l'huile d'onction. Donc, l'onction peut être ce semblant de huile physique, mais l'onction est aussi cette capacité surnaturelle, cette approbation divine qui vous donne d'atteindre les objectifs que Dieu vous a assignés. C'est ça la vérité du combat. Donc, pour qu'un roi en Israël règne, il lui fallait que l'huile coule sur sa tête. Il lui fallait que l'huile lui soit accordée. Et à partir de cet instant, les Hébreux disaient, il a été oint roi, on l'appelait le oint de Dieu. Je prie ce matin, je prie ce soir que quelqu'un soit appelé le oint ou la ointe de Dieu. Quelqu'un soit oint par Dieu. Ton amen active cela au nom de Jésus. Si tu dis bien amen, la grâce de Dieu te localise maintenant et le Saint-Esprit te fait grâce en tout. L'onction te localise et tu es oint de Dieu. Tu es oint de Dieu. Il souffle sur toi un vent. Alléluia. Il souffle sur toi un vent nouveau. Et la grâce, elle est en train de t'apporter sa faveur. Elle est en train de t'apporter son règne. Elle est en train de t'apporter, n'est-ce pas, son approbation. Dieu met sa main sur toi. L'onction. Lisons ensemble Luc, le chapitre 4. Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Dans tous les pays d'alentour, il se répandait la renommée de Jésus-Christ. Alléluia. Il se répandait la renommée de Jésus-Christ dans tout le pays d'alentour. Au verset 15, il enseignait dans la synagogue. Il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il leur dit alors, cette portion de la parole, cette portion des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Ça veut dire, chacun de nous, chacune de nous, dans sa vie, a une portion des Écritures qui concerne sa destinée, a une portion des Écritures qui concerne ses projets, a une portion des Écritures qui concerne sa vie. Dieu est un Dieu qui opère de grandes œuvres. Mais dans ces grandes œuvres-là, il choisit des hommes. Dans ce cas d'espèce, c'est Jésus qui l'a choisi. Vous savez, le passage que Jésus nous donne ici est celui de Ésaïe 61, où Ésaïe 61 dit, l'Esprit éternel est sur moi, car il m'a oint. J'expliquais que pour recevoir l'onction, il faut que vous soyez visité par le souffle divin. Quand vous recevez le souffle de Dieu, il vous donne une portion de sa puissance, une capacité surnaturelle pour accomplir ce qu'il vous appelait à être. Regardez, je veux, avant de revenir sur Jésus, repartir dans le livre de 1 Samuel pour vous dire que dans 1 Samuel chapitre 10, Samuel a été oint. Il a été oint à partir d'une fiole, une bouteille d'huile. Il a été oint roi d'Israël. Et quand il a été oint, jusqu'au verset 16, au chapitre 16, nous nous rendons compte que Dieu a oint un autre. C'était David. Au verset 10, au chapitre 10, Samuel est oint. Au chapitre 13, il désobéit à Samuel et la royauté commence à lui échapper. Mais au verset 16, au chapitre 16, Dieu s'était préparé un autre oint, David. Je vais parler de la dualité entre ces deux oints. Le premier oint a été oint roi. C'était le premier roi d'Israël. Il était oint à partir d'une fiole et la fiole était fabriquée par des hommes.
Vous savez, souvent, on peut recevoir l'huile d'onction, on peut recevoir la capacité de Dieu pour opérer, mais en réalité, quand on reçoit cette huile, on se rend compte que beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu font ce qui plaît aux hommes. Regardez, il est oint à partir d'une bouteille fabriquée par les hommes. Mais regardez comment Saül avait son règne. Dans son règne, il aimait faire plaisir aux hommes. Ce qui l'a disqualifié, c'est que Dieu, au-delà de désobéir à Samuel, Dieu lui avait dit de passer les Amalécites par interdit. Mais il dit que lui, il a entendu le bêlement des bœufs et tout. Son peuple, son armée lui a dit, écoute, nous on veut ces bœufs-là. Et au lieu de détruire tout, comme Dieu lui avait dit, il a voulu faire plaisir au peuple de Dieu. Et il a commencé, n'est-ce pas, à accepter de pouvoir le leur donner. Quand ils sont rentrés, Samuel est venu dire non. Dieu t'a dit, passe ce peuple-là totalement par interdit. Il t'a pas dit de faire plaisir aux gens en gardant quelque chose. Beaucoup de gens sont oués par Dieu, mais à un moment sont disqualifiés. Parce que dans l'onction qu'ils ont, après, ils commencent à chercher à plaire aux hommes. Ils sont séduits par le monde, attirés par les choses des hommes, attirés par les choses humaines. Ils sont séduits par la manière dont les hommes se comportent avec eux. Ils veulent leur faire plaisir. Quand on lit même le livre de Galates, nous nous rendons compte que Pierre a été repris par Paul parce que Paul lui a dit, écoute-moi très bien, je ne suis pas d'accord que tu peux faire plaisir aux Juifs en ne prenant pas en considération les païens. Quand les Juifs ne sont pas là, tu es heureux avec les païens. Mais quand les Juifs sont là, tu ne te mets pas à l'aise pour causer avec les païens. Ce n'est pas normal. La parole de Dieu n'est pas réservée qu'aux Juifs. Il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui. Ils aiment faire plaisir aux uns et aux autres. Ils aiment faire plaisir. Ils sont oints, ils ont l'onction. Mais ce qui les intéresse, c'est le bling-bling, le matu vu, la considération humaine dans leur destinée. Oui, ils veulent voir qui les aime, qui ne les aime pas. Et c'est en fonction de ça, ils se disent, oui, je suis oint de Dieu vraiment, ou je suis considéré. Non, Dieu ne veut pas que ton onction soit fabriquée par les hommes. Vous savez, ce qu'un homme fait, il peut le défaire. C'est pourquoi ne cherche pas à plaire aux hommes, cherche à plaire à Dieu. Le deuxième oint, c'est David. David a été oint dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 13. La Bible déclare que Samuel est arrivé chez lui. Il a vu ses frères, il a cru que Dieu allait choisir un parmi eux, mais ses 6 frères n'étaient pas le choix de Dieu. Il avait une sœur à l'époque, malheureusement encore, les femmes n'étaient pas choisies. On peut dire les Israélites étaient un peu misogynes, mais bon, il avait une sœur. Et il était le 8e fils, le dernier. Mais c'est lui qui était dans les champs. Vous savez, je crois que quand quelqu'un doit être vraiment oint de Dieu, il aura l'impression que dans sa vie, il est rejeté par les hommes. Quelqu'un qui est vraiment choisi de Dieu, à un moment ou un autre, il aura l'impression que le monde se détourne de lui. Si vous êtes en train de vivre votre vie chrétienne et que les gens vous abandonnent, vous avez des difficultés, les gens vous rejettent. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout le temps normal. Non, je suis en train de dire que souvent se cache derrière ça un appel, une grande onction, une grande destinée. Comment pouvez-vous comprendre que le dernier fils d'Isaïe, le plus petit, le Benjamin de la famille, c'est lui qui gère les brebis, et ses grands frères, qui doivent avoir plus de force, sont assis à la maison? Comment pouvez-vous comprendre que le lion et l'ours attaquent David, mais Dieu lui donne la victoire, si cet enfant n'était pas prédestiné à de grandes choses? Je veux dire donc à quelqu'un encore, que malgré ce que tu vis, malgré ce que tu endures, l'onction t'a déjà qualifié. Oui, les épreuves que tu as dont tu as survécu sont un signe pour nous que l'onction t'a déjà qualifié. Parce que Dieu ne tente jamais quelqu'un au-delà de ses forces. L'onction va te donner la force de surmonter ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a une grande destinée à faire avec toi. Ceux qui écrivent amen maintenant en commentaire. Ceux qui disent amen chez eux reçoivent cette onction. Tu vas surmonter ce divorce. Tu vas surmonter cet abandon. Tu vas surmonter ces problèmes financiers. Tu vas surmonter cette maladie qui tape à ta porte. Tu vas surmonter ces persécutions que tu as dans le ministère. Parce que l'onction t'a appelé à être à la royauté, la tête, et non à souffrir. Et quand Samuel se rend compte qu'aucun de ses frères n'est oint, alors il dit, mais n'y a-t-il plus personne dans ta maison? C'est là le père se rappelle. Oh, comme l'esprit de Régé. Comme l'esprit de Régé. Souvent, vous savez, on a tellement minimisé qu'on a l'impression qu'on n'existe pas. Souvent, des gens même dans la famille veulent prendre des décisions à notre place. N'est-ce pas que ça vous est déjà arrivé? Qu'un parent ou un frère se dit que votre vie est déjà arrêtée, terminée. N'est-ce pas que c'est arrivé? Où des gens ont pensé que plus rien de bon ne pouvait sortir de vous. Mais David est passé de la défaite à la fête, du rejet à la stabilité, à l'élévation. Et son père est obligé d'aller le chercher. Il vient lui berger, il vient lui qui sent l'odeur des moutons, parce que si tu es derrière les moutons, tu sens l'odeur des moutons. Il vient avec cette odeur
et c'est lui qui a le choix de Dieu. Je veux dire, peu importe dans quel état tu es aujourd'hui, émotionnel, spirituel, psychologique, je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que les gens y pensent de toi. Mais ce que je sais par la puissance et la présence de Dieu, c'est qu'à partir de cet instant, tu es loin de Dieu pour marquer ta génération. Tu es loin de Dieu pour opérer dans de grands signes. Peut-être même, tu es le futur Benny Hill qui est sur ce live. Peut-être, tu es la future Catherine Kuhlman, cette femme ointe qui est sur ce live. Peut-être, tu es la personne que Dieu va utiliser pour qu'un chrétien soit très prospère en Europe ou en Afrique. Peu importe le pays où tu es, Dieu te localise ce soir et il veut te oindre. Alors, Samuel fait sortir une corne d'huile. Vous savez, pour qu'on ait une corne, il faut qu'il y ait un animal qui meure. Donc, un sacrifice. Je crois qu'il y a certaines onctions, certaines dimensions qu'on ne peut avoir si on n'a pas l'esprit de sacrifice. Et quand on tue l'animal, on tire la corne. De la corne, Samuel tire un objet pour oindre David. Le premier, c'est une fiole, une bouteille. Le second, c'est une corne. La corne représente la force du buffle. Et les Israélites utilisaient cela pour la chauffa, la corne du buffle, la force du buffle. Ça veut dire que l'onction qui était sur la vie de David était une onction de force. Ma prière ce soir, c'est que tu reçois une onction particulière pour que Dieu te donne d'opérer dans une dimension où tu auras la force d'accomplir de grandes choses. Même si je ne te vois pas, lève la main simplement chez toi et dis amen à ça. Cette onction te contamine maintenant. Tu auras la force dans le ministère, la force pour avancer, la force pour accomplir de grandes œuvres. Dieu me dit sur ce live qu'il y a une dame qui est connectée à qui Dieu a dit qu'il faut créer une ONG pour aider les veuves et les orphelins. Pour aider les veuves et les orphelins. L'Éternel t'a parlé, l'Éternel t'a dit, il veut t'utiliser, n'est-ce pas, pour que tu puisses aider les veuves et les orphelins. Il a besoin de toi dans ce domaine, dans cette dimension. Et l'Éternel est en train de vouloir manifester sa grâce avec toi. Le souci que j'ai aujourd'hui, c'est que tu vas penser que c'est par ta propre force, par ton intelligence que tu vas accomplir ça. Et donc, tu vas t'asseoir pour dire, Seigneur, comment ça va arriver? Comme Marie, il dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. L'Esprit de Dieu va venir sur toi. Amen. C'est ce qui s'est passé avec David. L'Esprit ne l'a plus quitté parce que l'onction est venue d'un sacrifice. C'est pourquoi l'une des plus grandes onctions qu'on a dans ce monde, c'est le sacrifice du bélier par excellence, de l'agneau par excellence, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le sacrifice de Jésus nous a donné l'Esprit. Le souffle de Dieu est venu dans le monde. L'Esprit s'est répandu dans le monde parce qu'il y a un, selon Apocalypse, qui est sorti du trône, un agneau qui a la forme de bélier, la tête de bélier avec des cornes, 7 yeux, qui est sorti du trône et qui a dit, lui, il est digne de délier les sceaux. Oh my God! Je veux déclarer sur ta vie que le sacrifice de Jésus te donne accès à une onction surnaturelle pas possible. Parce que tu as Jésus dans ta vie, parce que tu as le Saint-Esprit, tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit rentre dans ta vie et il te contamine avec sa présence. L'agneau immolé de Dieu, il te donne cette grâce. Et pour revenir à Jésus, Jésus ne pouvait pas devenir le Fils de Dieu vivant sans cette onction. Regardez comment ça se passe. La première chose, c'est qu'au baptême, dans Matthieu chapitre 3, la Bible dit, le ciel fut ouvert et Jean-Baptiste a vu la colombe descendre sur lui. Et il a dit, voici mon Fils bien-aimé. Dieu dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand ces choses arrivent, automatiquement, le Seigneur Jésus commence à rentrer dans son ministère. Mais il retourne encore à Nazareth. La Bible dit dans Luc 4 que quand il arrive à Nazareth, il lit la Torah dans la synagogue tous les jours. Mais un jour, il vient et il dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Après être sorti du baptême, après être passé dans le désert tenté par le diable, dans Luc 4 à partir du verset 1, il fut poussé dans le désert. Quand il est revenu, il dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Parce qu'il avait l'Esprit sur lui, donc l'Esprit lui avait donné l'onction. Ésaïe 61 s'accomplit aujourd'hui. Ça veut dire que pour chacun de nous, il y a une portion des Écritures qui nous concerne. Prophète, s'il te plaît, considérons le fait que l'Écriture est très vaste et très large. Si Dieu, dans chaque promesse qu'il donne, a une parole particulière pour quelqu'un, comment cette personne peut accomplir ça si Dieu n'est pas avec lui? Comment? Personne n'est né au hasard. Tu penses que tu es né au hasard? Je me rappelle de ce prédicateur qui disait que dans le corps d'un homme, il y a des millions de spermatozoïdes qui sont relâchés lorsqu'il a un rapport avec une femme. Il y a beaucoup qui meurent. Il y a un seul qui féconde l'ovaire. Bon, dans mon cas comme ça, il y a eu deux. Il y a eu des jumeaux. C'est juste pour vous détendre un peu. Mais c'est juste pour vous faire rire un peu que je dis ça. Mais
c'est, y a un qui féconde l'ovaire. Donc, il y a beaucoup qui meurent. Et puis, il y a un qui féconde. Donc, depuis le ventre de ta mère, tu es un champion. Tu es une championne. Dieu t'a choisi pour quelque chose. Donc, personne n'est en vain dans la présence de Dieu. Si le monde t'a rejeté, Dieu, lui, ne te rejette pas. Et il dit, tu n'es pas né au hasard. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Un, il m'a oint Dieu. Deux, l'Esprit vient sur nous et il nous donne l'onction. Il nous confère la capacité d'opérer. Il ne faut pas penser que l'onction là vient seulement pour... C'est ce qu'on reçoit à l'église. Oh, maman, oh, bébé, oh, rébé, et puis on tombe. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui nous révèle et qui nous donne la capacité d'accomplir de grandes œuvres. Ce que je ne pouvais pas faire, ce que David ne pouvait pas faire sans l'onction. Tuer Goliath, il a réussi avec l'onction. Ce que Samson ne pouvait pas faire en tant que normal, en tant qu'être humain normal, il a réussi par l'onction. David, ce qu'il ne pouvait pas faire, devenir un grand guerrier, étendre l'espace de la tente d'Israël, conquérir des territoires, il a fait par l'onction. Je veux déclarer que Sarah, c'est par l'onction. Je veux déclarer que Joseph, c'est par l'onction. Jacob, c'est par l'onction. Tous ceux que vous voyez dans la Bible, ils ont réalisé ce qu'ils devaient réaliser par l'onction. Et je vois quelque chose dans, dans mon esprit. Alléluia. Je vois quelque chose dans mon esprit. Je vois des personnes qui sont en train de ressentir la présence de Dieu. Il y aura des gens sur ce live qui auront envie de parler en langue. Ne vous retenez pas. L'onction a commencé à vous toucher. Et vous saurez qu'un prophète est en train de vous parler de la part de Dieu. Oui, je suis chez moi, moi-même, je sens la présence et la chaleur du Saint-Esprit. Quelque chose est en train de toucher la vie de quelqu'un. Quelque chose est en train d'atteindre sa vie, de toucher à sa dimension prophétique. Quelqu'un est en train d'être rempli de la présence de Dieu. Tu veux être un puissant évangéliste. Tu as besoin que l'Esprit vienne sur toi et qu'il te confère l'onction. Tu veux être une puissante prophétesse, une femme de feu. Tu as besoin de l'onction. Docteur, pasteur, apôtre des nations, tu as besoin de l'onction. Tu peux être une puissante homme d'affaires, femme d'affaires. Parce que l'onction n'est pas réservée seulement pour la pastorale. Qui vous a dit ça? Même les grands hommes d'affaires, les grands hommes prospères ont besoin de l'onction. Tu veux travailler, exceller dans un domaine, être une femme entreprenante, tu as besoin de l'onction. Tu veux devenir un grand homme d'affaires, tu as besoin de cette présence de Dieu qu'on appelle l'onction. Elle va te donner la capacité d'atteindre tes objectifs. Regardez Pierre, avant et Pierre, après avoir reçu l'Esprit, il a une autre personne, il a une autre autorité. Le Pierre qui avait peur, dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'il a prêché, il y a eu 3000 convertis. Il y a une merveilleuse chanson, c'est nous qu'on appelle la roue. La roue en hébreu, ça veut dire le souffle, ça veut dire l'esprit. Roue, ça s'écrit R-U accent circonflexe A-H. Roue, ça veut dire en hébreu esprit, ça veut dire souffle. Donc, la roue, ça veut dire, quand on chante la roue, on veut dire que l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu est venu. Il a saisi Pierre. Et quand il est venu, Pierre a prêché à 3000 personnes qui se sont converties. Écoutez-moi bien. Combien de personnes aujourd'hui peuvent se rendre compte qu'avec l'onction, ils sont différents? Je n'étais pas comme ça. Oui, je n'étais pas une personne qui pouvait prêcher à des milliers de personnes. Aujourd'hui, regardez où l'onction m'a pris. L'onction m'a pris de l'Afrique. J'étais un jeune homme qui allait à l'école en classe de terminale. Ça fait 22 ans que je sers Dieu à plein temps. Je n'ai pas dit je suis converti. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu il y a 22 ans. J'ai donné ma vie à Dieu. Et puis pendant 22 ans, en classe de terminale, j'ai tout laissé pour venir servir Dieu. Pendant 22 ans, j'ai vu des vêtements et des pas mûrs. J'ai vu Dieu me faire prendre l'avion. J'ai vu Dieu me faire entrer dans la maison d'un président. J'ai vu Dieu me faire prier pour des gens, des paralytiques ont marché, des sourds ont entendu. J'ai vu Dieu m'aider à bâtir la vie de certaines personnes. Est-ce que je pouvais l'accomplir sans l'onction? Non! Sans l'onction, j'étais juste un jeune vil, une personne qu'on ne considérait pas. L'onction m'envoyait jusqu'à Paris. Aujourd'hui, je suis en train de te prêcher. C'est l'onction qui me donne la capacité que tu m'écoutes et tu ressens quelque chose, si tu la ressens, bien sûr. C'est l'onction qui fait cette chose. S'il n'y avait pas l'esprit, je ne pouvais pas le faire. Moi-même, je suis un corps simple, un corps inutile. Mais avec l'onction, je deviens une personne qui a une autre nature. Je suis surnaturel. C'est de ça que je suis en train de te parler. Tu as tout opéré par ta propre force. Ce qui est chair est chair, mais ce qui est esprit est esprit. Jésus, sans le baptême et avoir reçu l'esprit, il est le fils du charpentier, il est Jésus. Mais Jésus avec l'esprit, il est Jésus-Christ. Parce que Christ, ça ne veut pas dire simplement Messie, ça veut dire oint. Parce que ça vient de Christos, qui veut dire oint. Ça veut dire le choix de Dieu. Quand on appelle quelqu'un oint, ça veut dire qu'il est choisi de Dieu.
Dieu a un but accompli avec toi. Et tu as reçu l'Esprit de Christ par lequel, par adoption, tu cries « Abba Père ». Ça veut dire que tu as la nature de Christ. Donc, tu es petit Christ. C'est pourquoi on appelait les premiers chrétiens Christos. On les appelait petit Christ. Christos. Petit Christ. Petit Christ. Ça veut dire que quand on te voit, tu es Christ en miniature. Tu es la personne divine de Christ en toi. Quand tu marches, c'est comme le corps. Mais en réalité, l'esprit, c'est Christ. Quand on te voit, on doit voir Christ en toi. Et Christ dit, il m'a oint pour opérer. L'onction, là, elle nous confère la capacité d'opérer. Qu'est-ce que l'onction lui conférait comme capacité? Retournons à la parole de Dieu. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, l'Esprit sur lui, le souffle, le oint pour quoi? Pour une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. C'est quand on a l'onction qu'il nous envoie. Regardez ce qu'il dit. Et je vais t'expliquer ça maintenant, clairement. Peut-être tu ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre. Il dit aux disciples, attendez-moi dans la chambre haute. Parce qu'il y a des dimensions, vous ne pouvez pas prêcher sans que votre vie soit accompagnée de signes. Vous ne pouvez pas agir sans que votre vie soit accompagnée de signes. Pour que les gens croient, il faut que des signes vous accompagnent. C'est pourquoi il dit, ma foi, il dit, waouh, je sens la grâce de Dieu. Il dit, ma foi, il dit, écoutez-moi bien, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a envoyé. Paul dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la chair, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que les signes l'accompagnent. Les signes l'accompagnent. Vous êtes chrétien, Dieu a besoin, vous avez besoin que les signes vous accompagnent, afin que les gens qui vous entourent vous croient. Pierre, avant la Pentecôte, n'était pas le même. Après la Pentecôte, c'est Pierre qui monte à la troisième heure, dans Actes 3. À la neuvième heure, pardon, il va au temple. Et la Bible dit, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, il dit aux paralytiques, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons par l'Esprit, nous disons, lève-toi et marche. À partir d'aujourd'hui, après ce message, un souffle nouveau vient sur toi. Je souffle l'Esprit. Je relâche l'Esprit sur la vie de quelqu'un. Tu ne seras plus la même personne. L'Esprit de Dieu te caractérise. Tu ne seras plus la même personne. Plus jamais. Plus jamais tu ne parleras pas. Tu ne parleras de la même manière. Plus jamais tu ne t'exprimeras de la même manière. Plus jamais tu seras une personne qui va commenter, déclarer, agir de la même manière. Non, c'est terminé. L'Esprit de Dieu souffle sur toi et il t'accorde un signe. Il t'accorde un signe. Ce signe-là, c'est que les miracles t'accompagneront à cause de l'onction. À cause de l'onction, comme Élie chez la veuve de Sarepta ou au torrent, la nourriture va multiplier là où tu es. Le coronavirus touchera à gauche, il touchera à droite. Toi, tu ne seras pas atteint. C'est ton amen, je veux voir. C'est ton amen, je veux entendre. Alléluia. C'est ton amen que je veux voir. Si tu commandes amen maintenant, cette grâce est pour toi. Elle te localise au nom de Jésus. Je veux prophétiser. Avant de continuer et de terminer mon message, je veux prophétiser sur quelques personnes. Déclarer la vie de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer la vie de Dieu. Je veux déclarer le règne de Dieu. Alléluia. Je veux déclarer sa paix. La Bible dit qu'il dit oui. Il dit oui. Il dit une chose et sa main l'accomplit. Il dit une chose et sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, Dieu ne peut pas dire quelque chose sur toi, et puis ce qu'il dit, ça ne s'accomplira pas. C'est impossible. Quand il dit, il fait. Quand il dit ce qu'il dit, là, ça, il le réalise. Quand il dit, quand il ordonne, il accomplit. Donc, ce qu'il a commencé, cette merveilleuse œuvre qu'il a commencé dans ta vie, il va l'accomplir. Elle va se réaliser, elle va se concrétiser. Mesdames et messieurs, à ce moment de mon propos, je voudrais faire juste une petite pause et vous dire quelque chose. Aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, croyez en mon expérience. Sans l'onction, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, sans l'esprit sur vous. Ne courez pas après simplement les miracles. Ne courez pas simplement après une vie chrétienne de prospérité. Mais
désirer ce qui donne la prospérité. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères dans le troisième épître de Jean, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. La condition spirituelle d'une personne détermine sa condition physique. Si vous allez bien, si vous n'êtes pas malade spirituellement, vous serez bien portant physiquement. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas malade, hein. Genre vous n'aurez pas la grippe ou autre chose. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ton atmosphère sera différente parce que tu es né de Dieu et que tu as l'esprit en toi. J'ai vu en Afrique des dames qui avaient peut-être 70 ans, mais être comme des jeunes dames, fortifiées par l'esprit, réquinquées, révigorées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je crois que l'esprit peut renouveler ton corps ce soir. Si tu étais là que tu avais des douleurs dans les os, telle l'arthrose ou le rhumatisme, l'esprit te guérit. Si tu avais mal à une oreille gauche, quelqu'un elle suit ce live, tu as senti des douleurs à l'oreille gauche, l'esprit te guérit. Le Saint-Esprit est venu pour oindre, pour qu'on opère avec lui. Oui, quand il nous donne l'onction, c'est pour opérer. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont bloqués quand ils reçoivent. Ils reçoivent, mais ils n'anticipent pas pour aller. Ils restent là encore, bloqués par la peur, par le doute, par l'angoisse, bloqués par les circonstances de la vie, par différents problèmes. Mais aujourd'hui, là, je te prie, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Voilà, ne sois pas fatigué. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit est sur toi. Alléluia. Amen, 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 amen. L'Esprit est sur toi et il fera de grandes choses. Il fera de grandes choses. Il fera de grandes choses. Je crois que c'est parce que c'est pour un moment comme celui-ci que Dieu a permis que tu sois sur ce live. Et je voudrais rentrer dans un petit temps de ministère prophétique en terminant mon message par ceci. Jésus dit, cette portion des Écritures s'accomplit aujourd'hui. Vous savez, il y a un temps qui est fixé pour que ce que Dieu a dit sur nos vies se réalise. Il y a un temps. Regardez Jésus, il a été à 12 ans en train de, comment je vais dire ça, confondre les sacrificateurs dans le temple. Mais il n'est pas rentré dans le ministère, il a encore attendu. À 30 ans, il s'est représenté devant, on n'a pas entendu quelque chose de lui en 12 et 30 ans. Ça fait combien? Combien d'années? Près de 18 ans. On ne sait pas ce que Jésus a fait. Pendant 18 ans, rien, silence. Et à 30 ans, il se représente devant qui? Jean-Baptiste pour être baptisé. Pendant 18 ans. Et quand il se présente, quand il reçoit l'esprit, c'est là qu'il rentre dans son ministère. Pourquoi est-ce que toi, tu veux faire par ta propre force? Pourtant, la Bible dit encore, dans Zacharie 4, en tout cas, il y a tout pour te dire que ce n'est que par l'esprit que tu peux faire. Zacharie 4 dit que ce n'est ni par la force, ni par mon esprit, mais c'est par sa puissance, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par son esprit, dit l'Éternel des armées. Donc aujourd'hui, Dieu veut déplacer des montagnes. Il va accomplir de grandes œuvres, mais c'est par son esprit. Alléluia. Je n'arrive plus à voir Je n'arrive plus à voir encore les comment on appelle ça, le chat. Je ne sais pas ce qui se passe sur ma tablette, mais j'espère que pendant que vous êtes en train de commenter, vous serez avec moi dans ce prophétique-là, dans cet élan, que je recevrai vos amen, je recevrai vos alléluia, alléluia, je recevrai, n'est-ce pas, vos paroles de connexion divine et je libère la grâce de Dieu sur votre destinée. Je prie au nom de Jésus que la portion des Écritures qui vous concerne, quand je dis la portion des Écritures, ça veut dire la prophétie qui est pour vous. C'est que Dieu veut que vous deveniez par l'onction que ça s'accomplisse. Vous recevez le Saint-Esprit et vous êtes ses témoins. Vous recevez l'onction et il vous envoie. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas en retard. Tout ce qu'il vous faut, c'est de recevoir l'onction de façon particulière. C'est de recevoir l'Esprit. N'ayez pas peur. Les gens vous diront, oh, tu es en retard, tu es ceci. Non, 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 n'aie pas peur. Il y a un temps. Si Jésus a attendu 18 ans, il y a un temps aussi que Dieu aussi est en train de te préparer, pour lequel il est en train de te préparer. Et il y a une portion des Écritures sur ta vie qui va se réaliser. Tu n'es pas né au hasard. Vous savez, on a une situation qui se passe aujourd'hui en Europe où nous vivons dans une société où facilement, les pays occidentaux, on est rejeté, banalisé. C'est-à-dire le lien
fraternel, le lien d'amour tend à disparaître. Le lien où on considère l'être humain. Les sociétés deviennent de plus en plus capitalistes. Elles sont basées sur l'argent et le matériel. C'est ce que tu peux apporter. Même les relations amicales sont ainsi, les relations sentimentales. Quand le centre d'intérêt change, la personne change vis-à-vis de toi. Tant qu'elle a son intérêt en toi, elle est d'une certaine façon. Mais quand son intérêt change, elle aussi, elle change. Mais force est de constater qu'avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu reste le même. Il n'abandonne pas. La manière dont il a commencé avec toi, c'est de cette même manière qu'il va achever. Il sera toujours avec toi. Toujours. Il commence et il achève. Je prie que le Saint-Esprit manifeste sa gloire et sa grâce pour quelqu'un. Oh, quelqu'un sera surpris par une visitation surnaturelle. Le rouleau de Dieu, la portion des Écritures qui te concerne, va s'accomplir. Peut-être que tu as déjà reçu une prophétie. Peut-être que le prophète, alléluia, a déjà déclaré sur toi. Je ne sais pas. Alléluia. Peut-être que le prophète Walid a déjà dit quelque chose sur ta vie et tu te demandes, est-ce que ça va arriver? Diandre, mais depuis, on me prophétise des choses où Dieu dit, il va faire ça, il va me guérir, il va enlever mon cancer, il va faire telle ou telle chose. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Jésus dit, aujourd'hui, cette portion-là s'accomplit. Il y a un temps pour que ce qui a été annoncé se réalise. Regardez, Isaïe avait prophétisé combien de temps avant qu'il dise « cette parole s'accomplit aujourd'hui ». Près de 800 ans avant que Jésus puisse lui maintenant dire « cette portion de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui ». Il y a des choses que nous attendons de Dieu, mais il y a un temps aussi pour qu'elles se manifestent. Et quand elles devront se manifester, pour que nous devenions ce que Dieu veut que nous devenions, nous recevrons l'onction. Femme d'affaires, homme d'affaires, intervenant, diacre, prophète, apôtre, nous recevrons forcément l'onction. Les gens seront surpris de te voir à une dimension où ils ne s'attendaient pas. Ils seront surpris de te voir à une dimension où ils ne pensaient pas. Parce que tu vas marquer ta génération. Ma prière, c'est que CMR TV devienne encore plus international. Vous savez, on reconnaît le prophète à l'accomplissement de sa parole. Je veux commencer de prophétiser. Je prophétise que le ministère du prophète Walid, que cette chaîne YouTube soit une chaîne qui touche plus encore de personnes. Que Dieu suscite des hommes et des femmes pour soutenir sa vision, ses objectifs. Je prie qu'une onction fraîche tombe encore sur son serviteur, sur son épouse. Et pendant que je parle, je vois son épouse comme ayant l'onction d'intercesseuse, comme l'onction de Déborah, une femme juge, une femme dont la bouche est une bouche consacrée à Dieu. Ce qu'elle va dire, ça va se réaliser. C'est un pilier pour le ministère de son mari. Si elle comprend cet appel, le ministère va encore aller très, très vite. Elle doit être une femme de prière, une femme sensible à l'esprit, une femme de consécration qui se met à part. Oui, et quand elle va se lever dans la prière, c'est la première gardienne du ministère de son mari. Le ministère de son mari va prendre encore une autre tournure. Cette femme est appelée à un ministère d'intercession très puissant. Je vois le don de guérison aussi dans sa vie. Et je prie que Dieu leur suscite des partenaires dans l'œuvre. Des hommes et des femmes. Toi-même qui me suis sur ce live-là, peut-être que Dieu t'appelle à soutenir cette mission. Oui, tu me regardes. Il y a une dame, je n'ai plus, voilà, mon téléphone s'est éteint, donc je n'ai plus les chats. Mais je vois dans mon esprit une dame de peau blanche, une dame blanche qui est connectée et qui, elle n'est pas mariée, elle n'est plus mariée, mais elle a une vie sociale stable. Elle a envie de faire l'œuvre de Dieu. Dieu dit, il t'appelle à soutenir l'œuvre. Il t'appelle à soutenir son œuvre. L'Esprit de Dieu me montre que tu vis, n'est-ce pas, tu vis dans une maison, comme dans un pavillon. Amen. Je parle d'une femme qui vit dans un pavillon. L'Esprit de Dieu me montre, il m'ouvre les yeux sur toi. Il ne me donne pas ton nom clairement, mais il me montre, elle est blanche de peau. Elle est, voilà, d'origine européenne. Et Dieu me dit que cette femme est connectée maintenant et elle peut faire les œuvres de Dieu. Dieu me dit, il t'appelle aussi à soutenir son œuvre. Il veut t'aider, t'élever dans la prière. Et le ministère du prophète Walid va t'aider à grandir dans l'intercession, dans la prière. Dieu me dit, tu le connais, tu es connecté à son ministère. Il veut t'utiliser. Il y a une autre sœur qui est connectée sur ce live. Amen. Voilà, son prénom commence par K. Par K. Par K. Voilà, il y a une autre, j'entends Vanessa. Il y a quelqu'un qui connaît Vanessa qui est sur ce live. Vanessa, tu connais Vanessa, tu es sur ce live, tu connais Vanessa.
L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une onction nouvelle, une onction fraîche, voilà, qui va venir sur ta vie et qui va t'aider à prendre un nouvel envol, comme l'aigle. Il dit ceux qui sont, n'est-ce pas? Oh, merci chérie. Ceux qui sont perdus, vraiment, c'est une aide de destinée. Alléluia. Donc, ceux qui craignent l'Éternel, ils sont comme l'aigle, ils renouvellent leur force. Aujourd'hui, Dieu est en train de vouloir t'utiliser pour renouveler tes forces. Il est en train de te donner l'onction. L'onction va te caractériser. L'onction te caractérise. L'onction me caractérise. Et cette onction-là va nous donner de rentrer dans une nouvelle dimension. Regardez, je vois un vent souffler. Il y a des gens qui ont commencé à sentir des chaleurs. D'autres vont avoir envie de parler en langue. D'autres vont sentir des fourmillements dans leurs pieds. Ils vont sentir des chaleurs. Ils vont sentir leur cœur battre vite. Amen. Yes. Alléluia. Voilà. Je suis pressé. Ma femme m'a aidé. Elle m'a envoyé un petit truc, un accessoire pour recharger mon téléphone. Parce que je veux voir les chats. Je veux communier avec le peuple de Dieu. Voilà. Homme de Dieu, si tu me permets, je voudrais exercer un petit temps prophétique. Voilà, peut-être 15 minutes. Vas-y, hein. Vas-y, ils sont trop libres. Voilà, je voudrais partager avec certaines personnes qui ont besoin d'orientation divine. Vous êtes appelés à servir Dieu. Et voilà, il y a quelque chose de prophétique que Dieu veut faire. Il y a un frère qui suit ce live, qui est d'origine africaine. Dieu me montre que tu auras une voiture. Tu auras une voiture pour faire un petit truc qu'on a, un petit commerce. Ce ne sera pas un taxi, ce sera un Uber ou un Hitch, un truc comme ça. Dieu te donne le financement pour ça. Tu auras ta propre voiture. Je parle d'un frère qui est d'origine africaine, qui est sur ce live. Et Dieu me dit que c'est un désir que tu as dans ton cœur parce que tu veux entreprendre, parce que ce que tu gagnes là, ça ne te suffit pas pour tes projets. Et il va le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À une autre personne, il sera accordé un financement 2021-2022 pour pouvoir devenir, n'est-ce pas, une femme d'affaires. Dieu va faire de toi une femme d'affaires. Il va faire de toi une femme d'affaires. Une femme d'affaires. Et il va te donner d'acheter ta propre maison. Tu ne seras plus locataire. Tu seras propriétaire. L'Esprit de Dieu me dit, c'est un désir qui est dans ton cœur. C'est pourquoi il accorde un souffle. Et tous ceux qui ont des dons prophétiques, tous ceux qui ont des dons prophétiques, je veux me concentrer un peu sur ça. Parce que je reçois des paroles de connaissance concernant des décantements, des déblocages financiers. Je me rappelle que parfois j'ai prié pour des gens et puis des moyens financiers leur apparu sur leur compte. C'est possible. C'est possible. Dieu peut envoyer de gauche et de droite des déblocages financiers pour t'aider à réaliser, à atteindre tes objectifs. C'est pourquoi je prie qu'il y ait un souffle nouveau dans tes finances. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il s'appelle Adonai Yireh, le Dieu qui pourvoit. Je prie qu'il y ait une visitation surnaturelle dans ce ministère par rapport aux finances. Voilà, mon téléphone s'est allumé. Je peux voir maintenant les commentaires. Je prie que Dieu agisse puissamment pour donner à ces personnes qui nous suivent de pouvoir expérimenter la grâce de Dieu. Tu reçois maintenant cette visitation. Tu reçois maintenant cette présence de Dieu. Oui. Notons ce passage ensemble. Notons, n'est-ce pas, Jean chapitre, Luc, pardon, chapitre 4, à partir du verset 20. Il roula le livre et il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Et alors Jésus dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Les gens auront les yeux fixés sur toi à cause de l'onction. L'onction là, prophète Walid, ça attire. Quand tu es quelque part, ça crée une meute. Les gens auront les yeux fixés sur toi. Ne soyez pas surpris qu'après ce live, on parle beaucoup de vous. Des gens commentent votre vie. On cherche à s'intéresser à vous. Même si ton lieu de travail, tu vas susciter un intérêt dans ta famille. Tu auras l'impression que quand les autres font des choses, on n'en parle pas. Mais quand c'est toi, ça prend une autre tournure. Parce que l'onction est là. Elle attire. Amen. Et maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je prie qu'une visitation surnaturelle vous arrive. Amen. J'ai vu Kat écrire, je voudrais recevoir l'onction d'intercession. Je déclare que tu reçoives au nom de Jésus cette onction. Sois cette femme d'intercession. Que Dieu te réveille, que Dieu te relève. Tu reçois une visitation. Toi qui m'entends, une visitation. Si tu lèves la main et que tu dis « Amen » maintenant,
tu auras l'impression que Dieu est en train de te baptiser dans son esprit, comme si tu aurais envie de parler en langue, comme quelque chose va te monter. C'est le signe que tu es en train de recevoir. Reçois cette présence de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a reçu souvent la révélation dans les songes, qui se voyait en train d'évangéliser, de faire des choses pour Dieu. Cette personne se voit dans les songes en train de prier pour les malades, en train d'accomplir certaines œuvres. L'Esprit de Dieu va à réaliser ces choses pour toi. L'Esprit de Dieu va venir vers toi maintenant. Et l'Esprit est en train de faire. Amen. D'autres vont sentir des palpitations, leur cœur bat très vite. D'autres vont sentir comme si des frissons leur parcourent. Dieu aura différentes manières de vous toucher. Mais c'est le même esprit. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire maintenant. Il est en train de le faire. Maintenant, je vais prier pour les dons spirituels. Je vais prier pour les dons spirituels. Ceux qui me suivent, qui disent Amen, ou qui lèvent la main vers le Seigneur, l'Éternel vous visite au nom de Jésus. L'Éternel vous visite. Alléluia. L'Éternel visite Johanna. L'Éternel visite, n'est-ce pas, Cyrus. L'Éternel te visite. La main de Dieu est sur toi. L'Éternel visite Francis Dahl. L'Esprit est en train de te toucher. La gloire de Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Je libère la grâce de Dieu. Et j'appelle les dons spirituels à éclore maintenant. Que l'Esprit vous utilise. Que l'Esprit vous utilise. Je vais commencer à citer les dons. Et certains vont commencer à ressentir la présence de Dieu plus ou moins. La présence de Dieu dans vos cœurs. La présence de Dieu dans vos corps. La présence de Dieu dans vos membres. Alléluia. Yes, comment? Je veux parler d'abord du don de guérison. L'Esprit de Dieu, l'onction que tu as reçue, elle t'envoie, il dit pour guérir les malades. Il dit les aveugles pour qu'ils recouvrent la vue, pour délivrer les captifs. Recevez cette onction qui se manifeste dans vos vies et qui vous utilise pour la guérison. Tous ceux qui ont le don de guérison, qui ont le don pour opérer dans les visions, que Dieu vous utilise, que Dieu vous communique le don de foi, le don de miracle. Recevez la grâce de Dieu. Quelqu'un qui dit Amen maintenant, cette grâce est pour lui. Une personne qui dit Amen, cette grâce est pour elle. L'Esprit descend sur toi. L'onction coule sur toi. Il t'utilise dans le domaine des guérisons. Ça sera puissant, ça sera palpable. Il t'utilise dans le domaine de l'intercession. L'Esprit t'utilise dans le domaine des paroles de connaissance. Tu seras chez toi à la maison. Et Dieu va te parler de certaines personnes avec précision. Comme il le fait avec moi. Il est arrivé que Dieu souvent me donne même le nom des gens. Tout à l'heure, ça s'est manifesté un peu. Je veux dire que Dieu le fera encore pour toi. Il le fera encore pour toi. Il le fera encore plus fort. Dieu va te parler dans tes songes. Il va te parler dans tes rêves. L'Éternel va se révéler à toi. Le Saint-Esprit est ton partage. Valeria Vetomi, l'Esprit est ton partage. J'ai vu ton nom dans le chat et je sens l'Esprit pour toi. Il est en train de te oindre. Des gens m'ont commencé à sentir l'onction, prophète Walid. Si je suis prophète, des gens m'ont commencé à tester que l'Esprit a commencé à les visiter. Je vois le don, surtout le don d'opérer des guérisons et le don de prophétie. La grâce d'intercession. Dieu va ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Il va ouvrir leurs oreilles. Ils ont commencé à ressentir. Des gens ont senti leurs mains vibrer ou quelque chose les traverser parce qu'ils ont le don de guérison. Dieu réveille son armée. Il y a une armée de femmes sur ce live. C'est votre temps. C'est votre temps, comme au jour où Jésus est ressuscité, que des femmes ont constaté sa résurrection. De même, Dieu est en train de oindre une armée de femmes. Regardez, vous recevez l'Esprit, il souffle sur vous. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez ce temps d'impact prophétique. Certaines parmi elles vont commencer à couler des larmes, elles vont pleurer sous l'onction. D'autres vont sentir une chaleur, un feu de Dieu s'allumer. L'Esprit est en train de oindre des intercesseuses. Il est en train de oindre des prophétesses. Il est en train de oindre des femmes, alléluia, des hommes. Ça prend vie, ça prend vie, ça prend vie, ça prend vie, ça prend vie. Il est en train de les remplir. Il appelle une armée. Il appelle une armée. J'ai dit Dieu oint des femmes. Tout à l'heure, je parlais de la femme du prophète Walid. Dieu est en train de oindre comme ça d'autres femmes. Elles seront remplies de la présence de Dieu. Vous aurez l'impression que les larmes vous viennent aux yeux. Vous aurez l'impression que les larmes vous viennent aux yeux.
Parce que Dieu est en train d'ouvrir vos yeux. Vous allez avoir des visions. Les gens vont sentir des choses dans leur maison, sentir la visitation des anges. Dieu va vous révéler l'œuvre des démons. Il va vous montrer cela en songe. N'ayez pas peur, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Il y a un feu de Dieu qui s'allume. Et je bénis le ministère du prophète Walid. Je bénis les cultes. Je bénis les temps de live. Parce qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Il y a une onction particulière qui va se dégager. Et ce ministère sera accompagné du don de guérison, des guérisons des cœurs, des guérisons des âmes, des guérisons des blessures intérieures, des guérisons même physiques. Quel que soit le mal que tu avais, merci Cyrus qui a écrit, je reçois. Merci Yamina, tu reçois au nom de Jésus. La gloire de Dieu est en train de te remplir. Amen. Sur cette plateforme, il y a des personnes que Dieu est en train de caractériser par sa présence. Yes, Dieu te oint et il te donne le don de sagesse. Tu vas conseiller plusieurs. Tu seras, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, l'expression coach. Tu vas motiver des gens. Ils vont venir vers toi t'expliquer leurs problèmes, mais tu vas les fortifier. Tu vas les fortifier. Tu vas les fortifier. Et je vois le feu de Dieu s'allumer. Je vais terminer avec une dernière étape en 5 minutes et je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que derrière, j'ai un autre live encore. Donc, je serai obligé de vous laisser. Mais j'espère, par la grâce de Dieu, vous revoir, vous retrouver plus nombreux encore et qu'avec le prophète Walid, on pourra organiser des bonnes choses. Nous espérons que le coronavirus va s'estomper. Amen. Et puis qu'on pourrait être libre de pouvoir partager sur Paris ou sur Strasbourg certaines choses importantes par rapport au réveil. La dernière chose que je veux dire, c'est le feu de Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit baptise de Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a 3 ou 4 manifestations importantes de l'Esprit. Il se révèle sous forme de colombe. Dans Marc chapitre 1, le verset 10, la Bible dit il apparaît sous forme de colombe. Et il dit la colombe est descendue, elle est venue. Et dans Matthieu chapitre 3 aussi, verset 15, la Bible dit à partir du verset 15, quand Jésus se fait baptiser, le ciel fut ouvert et Jean-Baptiste a vu la colombe descendre. On est d'accord. Donc le Saint-Esprit peut venir sous forme de colombe. Le Saint-Esprit peut venir sous forme de vent impétueux. Nous voyons cela dans Actes chapitre 2. La Bible dit, il y eut un bruit, un grand bruit. Et au bruit qu'il y eut, la multitude a couru, comme un bruit de tempête. Oui, un vent impétueux. Et après, il est descendu sous forme de langues, des langues de feu. Je suis en train de voir dans mon esprit des langues de feu qui sont en train de descendre. Aujourd'hui, l'Esprit vient sur toi comme un vent, accompagné de langues de feu. Il souffle. Il souffle un vent. Recevez le feu. Recevez le feu. S'il vous plaît, si des gens sentent ça chez eux, même si c'est 2, 3, 4, 5 personnes, laissez des émoticônes de feu dans vos chats, s'il vous plaît. Je regarde maintenant. L'Esprit est en train de couler. Il ouvre vos yeux, donne de vision. Il ouvre vos yeux. Il vous fortifie. Il fortifie les intercesseurs, les intercesseuses. Il fortifie les foies. Il fortifie les dons. Il restaure. Il accorde des dons de puissance, surtout dons de foi, dons de guérison, dons de miracles. Il vous oint des dons prophétiques, dons de paroles de sagesse, dons de paroles de connaissance, dons de prophétie. Oui, il y a des personnes sur ce live qui vont prophétiser. Des gens vont prophétiser. Alléluia. Donata Catalano dit merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette soirée merveilleuse. Alléluia. Il y a une onction pour, n'est-ce pas, te renouveler, Donata. Il y a une onction pour t'envoyer très haut. Je suis en train de voir le feu s'allumer. Ah, des gens sauront qu'un prophète est passé sur ce live. Un feu s'allume en vous. Vos mains vont sentir le feu. Vos oreilles vont sentir le feu. Ta bouche aura envie de parler en langue pour d'autres mêmes. Tu as senti ton cœur battre très vite. Tu as senti la chaleur comme moi ici. Le feu est en train de prendre le contrôle. Le feu est en train de prendre le contrôle. L'esprit est en train de te oindre maintenant. Il te oindre. Ta famille ne te reconnaîtra pas. Tes amis ne te reconnaîtront pas. Il t'accorde les dons. Il t'accorde les dons. Il t'accorde la sagesse. Il t'accorde la connaissance. Le feu de Dieu s'allume en toi. La Bible dit quand Moïse est descendu de la montagne. C'est vrai que physiquement, nous ne sommes pas sur la montagne, mais spirituellement, nous y sommes. Dans la sainte présence et glorieuse de Dieu, nous sommes sur Sion. Alléluia! Nous sommes sur Sion, comme Jésus sur le mont Tabor de la transfiguration. La montagne de transfiguration, le mont Tabor, il est là, et il est en train de transfigurer quelqu'un. Quand tu vas descendre de ce moment, quand le live a fini, il y a des gens autour de toi, même dans ta famille, qui vont dire, je sens que tu es différent. Toi-même, tu te sentiras différent et tu sauras que le prophète Amessa Lénikès est un prophète de l'Éternel. Parce que les choses de l'Esprit ne seront plus les mêmes avec toi.
Oui, retenez ce que je vais dire maintenant par prophétie. Il y a des gens vers 3 heures du matin, Dieu va venir réveiller. Vous n'arriverez pas à dormir. Tu vas avoir l'impression que tu as l'insomnie. Tu as écrit au prophète Walid pour dire, ah, je ne sais pas, mais cette nuit-là, je n'arrive pas à dormir. Le mercredi 22, dans la nuit de 22 au 23, prophète Walid, je n'arrive pas à dormir, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je vais t'expliquer. C'est l'esprit qui va venir pour vouloir te parler. C'est une visitation, hein, surnaturelle. Il va venir comme pour Samuel, il va t'appeler par ton nom, comme il appelait Samuel. Je prie que tu puisses distinguer la voix de Dieu. Il va t'appeler par ton nom. L'esprit va t'appeler par ton nom. Cette visitation est ton partage. Tu vas descendre de la montagne et comme Moïse, il y aura sur l'expression spirituelle que tu as, sera une expression de gloire. Merci Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ta visitation. Merci pour ton esprit. Merci pour ta gloire dans la vie de tes enfants. Retenons trois choses. Comme j'ai dit, la première chose, vous devez recevoir le souffle, la roua de Dieu. Vous devez recevoir le pneuma de Dieu en grec, qui est souffle, qui est esprit, Esprit Saint. Vous devez recevoir ensuite, quand vous recevez l'esprit, selon Ésaïe 61, qui s'est accompli en Luc 4, à partir du verset 18, vous devez recevoir l'esprit sur vous et il va vous oindre. Donc, après avoir reçu l'esprit, il vous oindra. Mais qui vous oint et que vous compreniez que cette onction est une onction qui vient des sacrifices. Il y a un prix à payer dans le jeûne, dans la prière, dans les épreuves de la vie. Dieu sera en train de vous oindre, comme il a oint Jésus, qui a payé le prix, comme Jésus lui-même est pour nous l'agneau du rachat par lequel l'onction, le Saint-Esprit est venu. C'est parce qu'il a payé un prix que l'Esprit a coulé sur nous. Oui, il nous a racheté un grand prix. Donc, il te faut l'onction. Dans le style de David, sois un sacerdoce royal. Un sacerdoce en termes de service divin et royal. Pas seulement sacerdoce, mais royal. Les Lévites, avant, étaient dans le sacerdoce, mais ce n'était pas royal. Mais nous, selon 2 Pierre chapitre, 1 Pierre chapitre 2, pardon, il nous appelle, au verset 9, il nous appelle à être un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Tu es oint pour opérer dans une autre dimension. Oui. Et même comme Élie, tu fermeras et tu ouvriras le ciel. C'est possible. Tu ordonneras une chose s'accomplira. Ainsi cela soit, ainsi cela sera. Que Dieu soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu vous soit multipliée. J'espère que ce moment vous a été particulièrement bénissant. Voilà. Nous aurons pu faire plus de temps, mais malheureusement, je suis contraint dans le temps aujourd'hui à cause de certaines activités. En dehors de ce live, mais mon cœur y est, mon cœur est ici, parce que je sens des gens qui ont soif de Dieu. Je sens des gens qui ont soif de Dieu. Alors, que Dieu bénisse le prophète Walid pour cette occasion. C'est vrai, c'est Jésus qui nous réunit, mais Jésus a mis un homme pour avoir cette idée, pour inviter des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, des docteurs, pour le bien du peuple que vous êtes. Alors, bénissez le prophète Walid, soutenez son ministère. Ce que Dieu te met à cœur par l'esprit ne te retient pas. Fais-le. Pour que l'œuvre de Dieu avance et soit propagée. Retiens quelque chose. On ne reçoit pas l'onction pour s'asseoir à la maison. Je te l'ai dit. Il dit, quand l'Esprit est sur moi, il m'a oint pour, il m'a envoyé. Laisse-le t'envoyer. Ton frère, ta sœur a besoin du Seigneur. J'ai parlé de Sylvia tout à l'heure. Il a besoin tu as besoin de laisser Dieu faire ce qu'il veut avec toi. Aujourd'hui, Sylvie, Dieu a sa main sur toi et il veut t'utiliser. Ne néglige pas de manifester sa grâce, ne néglige pas de manifester son règne, ne néglige pas de prendre au sérieux cet appel, ne néglige pas de faire quelque chose de glorieux pour lui. Sylvie, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Il m'a donné ton prénom parce que tu es ointe par lui, parce qu'il t'appelle à gagner des âmes. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Alors, écrivez-moi de quel pays vous nous suivez, que je puisse prophétiser sur ce pays. Si vous nous suivez de la France, vous écrivez France, vous mettez le drapeau. Si vous suivez de la Suisse, vous mettez Suisse, vous écrivez le drapeau. Voilà, je regarde les chats rapidement. Quelqu'un qui m'entend peut écrire juste un pays. Oh my God. Oui, servir et non se servir. Amen, 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 amen. Oh my God. Un pays, deux pays. Je veux déclarer. Tu nous suis de la France, tu mets le drapeau. Yes, Cyrus dit France, Montpellier. Que la France soit bénie, qu'une onction particulière soit sur vous. Karine Nguemembeng écrit,
Ngwebeng écrit du Cameroun, que depuis le Cameroun, Francis Dall aussi, depuis le Cameroun, la gloire de Dieu, j'espère que je prononce bien, Francis, l'esprit te oint depuis là où tu es. Valéria, depuis Lyon, la France, Dieu te oint, il t'utilise, il te oint pour servir, il te oint pour servir. Tu es ointe au nom de Jésus. Ce que tu entreprends, ça s'étend. C'est 2021 pour toi, une année d'expansion. Depuis l'Alsace, je bénis Sylvie. Yes, je ne sais pas si c'est de toi que je parlais particulièrement, mais Dieu m'a donné le prénom Sylvie aujourd'hui. Je prie que cette onction-ci soit ton partage. Depuis l'Alsace, que Dieu t'utilise dans le secteur, dans le rayon où tu es, que Jésus soit véhiculé dans les cœurs et dans les âmes et que les vies soient touchées. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, serviteur de Dieu Walid, merci beaucoup. Merci, merci. Que Dieu te oint toi-même encore davantage. Amen. Tu augmentes ta grâce dans ta vie. Merci pour cette plateforme. Et j'ai été très heureux, voilà, d'être avec vous. Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère, on est à très, très, très bientôt. Merci. Amen. Alors, tu vas revenir. Tu es un homme de feu. Il y avait vraiment l'onction, il y avait vraiment le feu. Même moi, j'étais saisi, visité. C'est pas le jus d'orange qui boit, c'est vraiment le feu du Saint-Esprit qui est là. Alors nous allons remercier aussi encore le Seigneur pour son ministère. Pour le ministère du prophète, et ensuite nous pouvons le laisser aussi partir à ses occupations. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Mm-hmm. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci parce que tu as dit le fer aiguise le fer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'onction de ton serviteur nous a aiguisé encore ce soir. L'onction de ton serviteur m'a aiguisé. Le feu que tu as mis dans ton serviteur m'a aiguisé, même moi-même, a aiguisé l'église, a aiguisé les frères, les sœurs qui se connectent. Alors Seigneur, je te demande maintenant de lui faire aussi du bien. Je parle maintenant en tant que prophète, que tous ceux qui se sont levés contre sa vie, tous ceux qui se sont levés pour détruire son ministère, que cela maintenant soit paralysé dans le monde visible et invisible, qu'il soit arrêté, qu'il soit stoppé. Je fracasse, j'ébranle les francs-maçons, les rose-croix, les occultes qui se sont levés contre lui. Et Seigneur, en tant que résident français, en tant que homme qui est né en France, je veux déclarer prophétiquement dans ce pays, dans cette nation, la porte lui est ouverte. Dans ce pays, dans cette nation, toutes les portes lui sont ouvertes. Tout ce qu'on lui faisait comme confrontation pour le bloquer, pour empêcher que son onction soit libérée, en tant que résident, en tant que citoyen français de naissance, je déclare une parole. Je déclare que la porte soit ouverte pour la vie de mon frère et que toutes les portes lui sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Plus aucun blocage et qu'il voit ta gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton feu. Merci pour ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok, alors on dit juste shalom aux internautes. Shalom, shalom tout le monde. Oui, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Vraiment, c'est un plaisir. J'ai vu la sœur Karine écrire, on le laisse partir malgré nous. On voulait y passer la nuit. Que Dieu soit béni. On a très, très bientôt. Je vous aime de l'amour du Seigneur.